Bienvenue dans la deuxième partie du car vlog sur la 306 TCT. Donc là, on est samedi 23 mars. On tourne sur piste le 24 mars. Et aujourd'hui, c'est carto full éthanol pour cette 306 chez CQLP, donc sur Lyon, du côté de Lyon. Donc là, je vais rejoindre Loïc à sa 306. Ensuite, on prendra le plateau, la 306 sur le plateau. Il a monté les gros injecteurs dans la semaine, donc c'est des 440 cm3 à 3 bars. Au carto éthanol, et le lendemain, on roule sur le circuit du monde. Bon, ça y est, on est arrivé à l'endroit pour faire la carto. On a galéré. Avec l'espace du Seigneur. Espace de litre turbo. 2 litres turbo essence. F4 RT dans l'espace. Un jour, tu sais quoi? Un jour, ce moteur, il finira dans une Clio. Circle, I'll never be going and switching it up. Rocking with the people who were following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they want to piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you're gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends. And I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice. Donc là on est en train de faire la carto. On pèse la 306 pour savoir le poids qu'elle fait. Et là on a un poids, je sais pas si on va bien être 1040 kg. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forget, but I never forget. Money is power, but care about respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Some of the richest be feeling depressed. Material shit don't compare to the rest. I move around with my real ones, making memories worth millions. Goddamn, part of the plan. La carto de la 306 en full éthanol a été faite. Donc comme vous avez vu, déjà rien qu'au niveau du poids, elle fait 1040 kg, donc sur la balance. Donc voilà la courbe, mais je vous la mettrai quand même en fin de vidéo. Donc voilà, on a 202,5 chevaux, 307,9 Nm. Et le rupteur a été décalé à 6005 car la boîte est un peu courte. Du coup ça permettra d'avoir à peine plus de pointe. Rien que c'est cette sonde d'eau, non? T'en penses quoi de ta bagnole de merde? C'est pas mal. Putain, elle est sale cette voiture.
C'est parti. Vas-y mon chef. Oh le bâtard. Putain, c'est sérieux. Ah, ça va lui faire du bien. Bon voilà, on est de retour par notre pays, du coup, plus de lavage. Après, on va faire le plein des bagnoles, régler les derniers petits détails sur les caisses de puce, et puis on se retrouvera demain matin pour la journée roulage au Bourbonnais. Ça y est, on vient d'arriver au circuit du Bourbonnais, donc on est le lendemain. On est posé sur le circuit. Donc on va faire un petit tour des voitures rapidement pour voir ce qui tourne. Donc la 306 TCT à Loïc. Donc hier on a fait une petite manif, on a juste viré la calandre parce qu'on avait peur que ça chauffe trop. Et là on a viré le joint qui est sous le capot du moteur. Et on le voit un petit peu, on a à peine rehaussé le capot en calant des rondelles. Ça permettra à la chaleur de s'évacuer un peu plus facilement. Bon, la 205 TCT qui est là, la 206 1.616 de Lucas. Alors cette fois-ci, celle-là, vous la connaissez pas, c'est la Clio RSI de Tim, donc qui appartenait avant à Loïc. Donc ouais, c'est 8 soupapes, ça fait 110 chevaux. Donc amortisseur d'origine et tout avec du smithic, enfin c'est une caisse très fun quoi. Un peu dans le délire de la 206 à Lulu d'ailleurs. Du seigneur. Avec le petit sportif à l'arrière bien sûr évidemment. La Saxo VTS française. Et t'entends rien. VGS soudure les gars. N'oubliez pas, je vous mets toujours le petit lien dans la description. Il n'y a pas de vitre là-dessus, moi, mon c'est... cousin. Ça va faire ailleurs. Ça va faire ailleurs, mais c'est VGS. Hein. Ah. Bon, ça y est, le briefing vient de se terminer. On fait chauffer les voitures. Et puis ça va être parti. Bon gros, ton premier ressenti? Comment que ça traxe mon gars? Ah, tu ressors pied tôle, t'écrases, ça passe. T'as envie de poser le train arrière, tu relâches, tu lâches, tu mets un grand coup de volant. C'est ça un passe. Truc de fou. En c'est vrai, un truc de fou. En vrai, l'autobloquant, j'ai l'habitude avec la Clio, tu vois. Enfin, tu la poses au frein ou machin. Mais là, t'as même plus besoin de toucher les freins, c'est impressionnant sur le train avant. Ouais. Y a même pas de carrossage ni rien, mais... Tu rentres comme tu veux, plus t'en mets, plus ça rentre. C'est un truc de malade. Bah ouais, c'est un truc de J'ai malade. Exactement le même ressenti sur elle, là. Le Val Racing, les gars. C'est quoi? C'est 270 euros plus 70 euros de frais de port. Ouais, voilà, ouais. Pour une boîte BE. Mais avec ça, ça te fait 90% du châssis sur ta Peugeot, mon gars. Truc de malade. Un peu chaud dans l'eau. Ça le problème. Va falloir modifier un peu. Ouais, donc ça va prendre un radiateur gros volume. Ça va prendre un gros volume, des grosses pales. Ça va découper un bout de la traverse, là. On s'emmerdera pas. Je pense que je vais y découper là, tu vois. Comme ouais, ça. Ouais. Découper un bon bout. Ça refroidira. Nickel. Gros, est-ce qu'il y aurait pas un petit exploit là qui vient de se passer? Parce que il est midi. Attends, quelle heure il est à ma montre? J'ai pas de montre, mais ouais. Il est midi. Ouais, il est midi, croyez-nous. Il est attends, midi, croyez-nous. Je vais leur montrer mon téléphone parce que personne va jamais nous croire.
Midi 31. Wow. Attends, on voit quelque chose en vrai ou je fais de la merde? Ah non, merde, je fais de la merde. C'est le message de ta maîtresse, gros. Midi 31. Et du coup, eh ben, il n'y a pas un TCT qui est encore en train de rouler, mais il y a deux TCT qui ne sont pas encore tombés en panne, enfin. Pas encore tombé en panne. C'est pas sûr parce que ça chauffe un peu, mais bon. Ouais, moi c'est la même. Ça crachote un peu le liquide. C'est la même sur la mienne, du coup, bah là on va prendre tous les deux des radiateurs gros volume, ça va faire une commande groupée, je crois. Ouais, comme nos autoblocks. Voilà, exactement. Et là, c'est quoi, tu veux essayer de mettre quoi à l'avant là? Des slicks. Parce que juste un truc. Ah, ta caisse est soudée au moins. Non, elle est même rouillée. C'est pas... non, ça, le poids, c'est l'ennemi. Le NS2R. Achète pas. Achète jamais. Conseil de Lolo. Conseil de Lolo. T'achètes pas une Hong Kong, ok? On se retrouve sur les conseils de Lolo. Ah putain. Ah, boulot. Et Thomas, du coup, avant, t'avais des speedlines groupa un peu et c'était tes jambes de rasso, c'est ça? Ouais, mais tu sais, je les ai vendues. Et du coup, j'ai décidé d'acheter d'autres jambes de rasso, tu sais. Bah, elles sont là d'ailleurs sur ma caisse de piste. Waouh. Ouais, non, sur ta caisse de tous les jours, tu vois. Ma caisse de tous les jours, ouais. Fameuse Japan Racing. Et donc, t'es. Donc, non, très attention, tu les as t'as fait très attention, tu t'es pas sorti. Pas, non, je. Non. Je suis pas sorti 5 fois, non. Non, t'es pas sorti 5 fois. Quelle bêtise. Putain, quel gars. Solide, hein. C'est pas celle-là, quand tu freines, elle se coupe en deux comme ça. À ce qui paraît, ouais. À ce qui paraît. Un peu d'eau, tu vois. Ah oui, ouais, le bordel. Non, parce que là en fait, comme on le disait, les TCT chauffent trop, nos radiateurs sont trop petits. Mais bon, vu que franchement, lui, c'est la première fois qu'il met son TCT sur piste, et moi j'ai tellement eu de panne avec cette caisse que j'ai jamais eu le temps de me rendre compte qu'elle chauffait comme ça sur un circuit. Parce qu'à chaque fois à 9h elle cassait, donc. Et là, bah, il est 15h là, ouais, il est 15h30 même, je crois. Les TCT roulent encore. Et ouais, juste problème de chauffe à résoudre, et franchement, sinon, ça roule nickel, quoi. Franchement, ça, ouais. Ouais, les gars, ceux qui ont des boîtes BE, franchement, vous tapez un Val Racing, ça vaut que dalle, et vous allez plus reconnaître votre bagnole. D'abord, on arrive au fond, on met des grands coups volants. Ouais. Sur mes pieds tôt, t'écrases, la pression de turbo, ça repart, et... Mais c'est trop ça. Mais quand la voiture glisse, il y a tellement de couple, en fait, la voiture, elle se met en travers, ça n'a pas le temps de faire une raquette. Parce que la voiture elle traque tellement, bah non, tu glisses. Mais moi je suis trop désordonné sur le volant, elle se met au travers. Bon, moi c'est un peu plus de galère à 100 DA, mais moi, j'ai la DA, je t'avoue que j'ai plus de mon bas du dos là, j'ai envie de se barrer un peu. Non mais franchement, ouais. En tout cas la 306, parce que c'est pour aller à la base quand même y rouler, elle est franchement ultra performante. Vraiment au-delà des attentes même, je dirais. Ouais, pour une première fois c'est vraiment très bien. Ouais, carrément. Non, rien à dire. Rien à dire. J'ai peur. Vas-y, monte dans la caisse. Monte dans la caisse. Vas-y, et tout là. T'allumes les petits manos là. Mais crois pas, t'es trop fraîche. Wesh alors.
conseil de Toto en exclu. T'as des pneus de merde, tu roules en manquant. Tu veux que ta 306 TCT tienne mieux la route. Tu fais quoi? Tu prends sur la 205. Tu vas sur la 205, tu piques un peu du Zestino Grege. Ouais, attends, j'ai une bonne petite bourre. Tiens, vas-y, là. Tiens, vas-y. Hop. C'est un petit conseil de Toto en exclu, là, tu vois. Voilà, voilà. Et là, tu le colles sur ton manquant de merde. Et tu le colles dans la rainure, parce là. Que c'est mieux. Là, ça là, et là, t'as gagné. Là, franchement, t'as gagné 2 secondes autour. Ouais, mini. Mini. Tu colles bien, n'hésite hein. Pas. Hein. Là, tu peux même mettre ton chewing-gum si tu veux. Comme dans la maman, ils font bien. Quoi? Je sais pas. Ça y va comme dans la maman, comme papa dans la maman. Voilà quoi. Franchement, dommage. Ah putain, oh. Vous venez de voir un petit passage parce que je suis obligé de vous mettre un petit passage dans la saxo avec LRORO. Regardez son pull déjà, ce qu'il y a marqué. Pas besoin de 300 chevaux si t'as des couilles, ça veut tout dire. Et regardez les pneus comment ils étaient en fait, ils étaient à la corde. Ils ont passé le virage à plus de 140 et... c'est un malade. Non, franchement, t'as vu. Elle va vraiment bien. Mais ouais, mais regarde, c'est l'autocollant, regarde. C'est ça. Ah, mais... Je l'avais pas vu. Enfin, j'étais dedans. J'avais pas vu autocollant. T'as pas vu? C'est parce que t'étais marqué en marche arrière. Ah, moi, je voyais marqué Evitrops E-type. Forcément. Bah, ouais, on dirait un russe qui a bu et qui essaye de parler. Je pense pour là. Bon, on n'a pas de conseil de Lolo aujourd'hui? Bah, il y en a déjà eu plein de conseils de Lolo. Moi, je suis la maman de Romain et de Thomas. Là, je vais mieux. La pression redescend. C'est parfait. Donc la pression, ne la subissez pas, buvez-la. J'avoue, voilà. On boirait pas une petite heure. Ah, bon, ton ressenti, toi, parce que tu vois, on va finir Scarlock sur la 306. C'est vrai. Bah, franchement, Val Racing, t'en dis quoi? Non, mais juste une conclusion simple et efficace. Je veux plus jamais de piste sans autobloc. C'est tout. C'est tout. Putain. Je te sucerai après, ok? Bon, bah voilà. C'est la fin du car vlog sur cette 306, sur cette belle journée qui se finit sur le circuit du Bourbonnais. Merci à tous pour la dernière vidéo qui a dépassé les 50 000 vues. Donc n'hésitez pas à partager, à poser vos questions, on est là, on y répondra. En tout cas, ça fait vachement plaisir, c'est très motivant pour la suite. Donc portez-vous bien et ciao tout le monde. You know I be moving, whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking, the fluent.